Bonjour et bienvenue dans cette séance. Nous allons travailler aujourd'hui en cohérence cardiaque. Vous allez pouvoir vous installer confortablement, assis ou allongé. Veillez à décroiser vos jambes, vos bras. Vous le savez, comme tous les exercices d'hypnose, de méditation, de MDR, de cohérence cardiaque, c'est un apprentissage du cerveau. Il faut donc reproduire ces séances plusieurs fois de manière à ce que vous puissiez l'automatiser, que votre cerveau automatise ses bénéfices. Vous pouvez donc vous abonner à cette chaîne pour retrouver plusieurs séances qui concernent la respiration, le MDR, l'hypnose, etc. Vous allez pouvoir utiliser un casque ou des écouteurs ou bien positionner votre téléphone à côté de votre oreille droite. Évidemment, n'écoutez pas cette séance en conduisant et nous commençons immédiatement. Fermez les yeux, prenez le temps de laisser le monde extérieur en arrière-plan pour tourner le focus vers vous. Prendre le temps de laisser les bruits extérieurs, les bruits de la maison, disparaître en arrière-plan pour focaliser simplement sur ce qu'il se passe à chaque nouvelle inspiration à l'intérieur. L'air qui traverse les narines, qui gonfle le ventre et ma voix qui vous accompagne. À l'extérieur, toutes les tensions, les questions, les doutes, les inconforts disparaissent en soufflant, comme si vous souffliez dans une petite paille. Tout disparaît vers l'extérieur pour aborder une nouvelle inspiration avec la plus grande fluidité possible. Derrière vos yeux clos, derrière votre corps posé, il y a une volonté certaine de se détendre, de relâcher toutes les tensions, les muscles. Et petit à petit, vous allez parfaitement découvrir ce relâchement. À chaque nouvelle inspiration, vous sentez ces milliards de cellules régénérantes, ressourçantes, glisser à l'intérieur de vous et à l'expiration, le corps se pose, se relâche, s'alourdit deux fois plus profondément maintenant. Imaginez tout simplement qu'à l'inspiration, le corps est capable de se gonfler comme si une montgolfière prenait son envol comme cela. Et à l'expiration, le corps se pose profondément là où il est installé, comme de mouvements contraires. Un mouvement qui décolle, qui emporte, et un mouvement qui alourdit, qui densifie le corps deux fois plus profondément maintenant. Prenez tout le temps. Tout le temps tranquillement d'inspirer et d'expirer. Dans cette séance, il n'y a rien à faire, rien à dire, rien même à penser. On va simplement travailler sur la respiration. Et aujourd'hui, là où vous êtes installé, nous allons travailler la respiration cardiaque, la cohérence cardiaque, en quelque sorte, l'entrée et la sortie du souffle pour se reconnecter à votre corps.
pour laisser le stress, les douleurs, pour laisser les inconforts disparaître à l'extérieur. Alors vous allez vider tout l'air que vous avez dans les poumons en expirant. Et vous allez imaginer une petite boule devant vous qui va monter sur 5 secondes à votre inspiration et elle descendra à l'expiration sur 5 secondes. Un peu comme si vous regardiez une montgolfière monter et redescendre. Et à 3, 2, vous inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Expirez 5, 4, 3, 2. Inspirez 1, 2, 3, 4. Et expirez. Continuez à faire cela à votre rythme. Inspire longue. Et expire par la bouche longue. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Vous sentez toute votre cage thoracique s'élargir. Et à l'expiration, le corps se pose. Chaque temps d'inspire et chaque temps d'expire. Encore quelques cycles, prenez le temps de sentir à chaque mouvement de votre corps ce temps qui s'allonge et qui s'expire par la bouche tranquillement. Revenez à une respiration naturelle, tranquille. Observez les changements qu'il y a dans votre corps. Observez comme les choses se posent, comme le corps peut s'alourdir désormais encore davantage. Prenez le temps, prenez tout le temps. Et maintenant, on va repartir sur 5 temps. Expirez tout l'air qu'il y a dans vos poumons. Vous êtes prêts? Allons-y. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. Inspire, le ventre se gonfle, très bien, expirez, il se dégonfle, inspirez, et expirez, encore quelques cycles, prenez le temps.
vous allez augmenter le nombre de temps d'inspiration et d'expiration. Peut-être passer sur 6 temps. Comptez dans votre tête chaque pulsation qui passe. À chaque mouvement du corps. Plus profondément, revenez à une respiration naturelle, observez maintenant la position de votre corps. Peut-être qu'il y a une certaine lourdeur dans les jambes, dans le dos, ou bien une légèreté peut-être dans certains endroits. Juste observez sans jugement ce qu'il se passe à l'intérieur lorsque le corps se relâche, lorsque vous lui donnez l'occasion de se tranquilliser. Lorsque vous respirez, lorsque vous portez toute votre attention, votre conscience sur cette respiration, les pensées, le mental se posent. Votre esprit. Pour votre esprit, c'est difficile de faire ces deux choses, de se concentrer sur le corps, sur les sensations, sur la respiration, sur la position du corps et en même temps de réfléchir. Alors à chaque fois que vous sentez de l'inconfort, du stress, ou bien que vous avez besoin de vous concentrer, de rester focus sur une activité, bien, vous pouvez faire ce court exercice de cohérence cardiaque. Vous pouvez tout simplement vous poser les deux pieds, les jambes décroisées si possible, assis ou allongé. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons et nous allons repartir maintenant. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 5, 4, 3, 2. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Continuez d'inspirer et d'expirer. À l'inspiration, faites venir toutes les belles énergies. Un projet que vous avez en tête, un objectif, une croyance positive ou une force que vous avez, quelle qu'elle soit. Et à l'expiration, vous relâchez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Vous expulsez tous les doutes, les tensions, les souffrances, les maux. Tout ce qui ne convient pas, vous n'en avez pas besoin à l'inspiration. Confiance, sérénité,
sécurité. À l'expiration, vous faites de la place pour qu'à la prochaine inspiration, toute cette place se diffuse en vous, ces ressources profondes. Et à l'expiration, faites du bruit pour relâcher toutes les tensions, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Vous allez tranquillement reprendre une respiration habituelle, naturelle, et vous allez ouvrir vos yeux pendant 3 secondes et les refermer. Portez votre attention sur la première des choses que vous avez observées les yeux ouverts. Était-ce la pièce entière? Était-ce un bout du coin de la table? Était-ce un élément petit ou quelque chose de plus signifiant? Avez-vous eu une vision très globale ou très détail? Les yeux fermés, essayez de créer la vision inverse, de recréer le champ de vision autour ou bien celui qui est beaucoup plus fixe vers un point d'attention. Comme si vous faisiez le point avec des jumelles ou un kaléidoscope d'enfant. Soit vous partez du plus large vers le plus petit, soit du plus petit vers le plus grand. Et amusez-vous ainsi, les yeux fermés, à redimensionner cet espace dans lequel vous êtes installé. Et portez maintenant votre respiration à l'inspiration, le focus grandit, les yeux fermés, vous êtes capable d'observer toute la pièce, toutes les couleurs, tous les éléments de cette pièce. Et à l'expiration, toujours les yeux fermés, vous vous concentrez sur un objet. Inspirez, vision globale. Expirez. Vision focus, détail. Inspirez. Expirez, détail. À la prochaine inspiration, visualisez toute la maison, la pièce, les autres pièces, l'immeuble, peut-être même le village, la ville, là où vous êtes. Très global. Et à l'expiration, revenez cette fois-ci sur un point entre vos deux yeux. Un point qui est à l'intérieur de vous. Comme si vous aviez une pastille entre les deux yeux. Inspirez, on voit la ville, peut-être même la région. La topographie, les couleurs, c'est merveilleux. Et expirez, revenez peu à peu vers le centre de votre tête, entre les deux yeux. Inspirez, allez encore plus loin. Voyez les frontières de votre pays. Peut-être même celles du continent. Et expirez, revenez au centre de votre attention.
une dernière fois. Inspirez, observez peut-être le monde, la planète entière devant vous. Expirez, tout revient, tout se recentre à l'intérieur. C'est ça. Respiration naturelle, quelques instants. Prenez le temps de profiter de cet état dans lequel on fait travailler votre cerveau sur des visualisations, sur de nouvelles connexions, de nouveaux champs, de visions, d'opportunités. Le champ des possibles qui s'élargit, qui laisse entrevoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles connexions, de nouvelles perceptions de vous, du monde, de vos capacités. Pour développer de nouvelles ressources. À présent, vous allez tranquillement, à mon compte de 5, ouvrir les yeux, mais on va prendre tout le temps possible. Imaginez 5 marches qui vont vous aider à revenir, donc à monter vers votre conscience. Sur la première marche, vous allez tout d'abord vous remercier le plus sincèrement, le plus positivement, avec gratitude, pour ce formidable travail que vous faites pour vous. Ces parenthèses, ces séances dans lesquelles vous vous occupez de votre bien-être, vous prenez en main, vous prenez le pouvoir de votre tête, de votre cœur, de votre corps. Et vous savez que c'est bon pour vous, vous mesurez à chaque nouvelle séance ce bien-être qui s'installe. Sur le 2, vous entendez ma voix de plus en plus forte, de plus en plus présente, et vous allez prendre une grande inspiration et une grande expiration. Sur le 3, observez, comme s'il y avait un scanner qui passait de haut en bas de votre corps, tous les endroits du corps où il reste un petit peu de tension. Si c'est la nuque, envoyez de la respiration dans cette nuque. Si c'est le genou, envoyez une profonde inspiration dans ce genou. Focalisez sur tous les espaces qui ont besoin de votre attention, de votre soin. 4e marche. Vous commencez à percevoir les bruits environnants en travers, en arrière-plan, qui viennent de plus en plus en premier plan, qui viennent chatouiller vos oreilles. Et sur la 5e marche, vous pouvez prendre tout le temps d'ouvrir les yeux maintenant. Vers votre journée. Prenez le temps de revenir parce que tout simplement, cette transition inconscient-conscient, c'est elle qui fixe toute la ressource. Alors, soyez en gratitude, remerciez-vous pour ces ressources que vous développez. Soyez confiant en votre capacité à vous développer personnellement. À revenir avec une belle idée en tête, une belle ressource, une croyance positive. Qui note cette capacité. Et vous avez toujours les yeux ouverts et vous allez vous sourire. Sourire
simplement pour honorer la journée qui se poursuit. Prenez le temps, quand vous allez quitter cette séance, de marcher quelques instants, peut-être d'aller au soleil, même si c'est 2 ou 3 minutes, de regarder le ciel et de rester connecté à votre corps. Bravo, vous êtes désormais prêt pour le reste de votre journée, peut-être pour la nuit qui arrive. N'oubliez pas que plus vous vous entraînez à faire ces séances, que ce soit de l'hypnose, de la cohérence cardiaque, de l'EMDR, plus les choses s'automatisent dans votre cerveau. C'est un apprentissage. Bravo et à bientôt.